en direct. Pourquoi d'abord un tel événement, Gabriel, ici ? Alors, parce qu'il me semblait absolument important de rappeler que nous sommes tous et que nous formons une humanité. Il était important de le dire par l'art. Et j'ai voulu soutenir la fondation de Nicole Gage, qui est une fondation qui soutient les nations en cas de catastrophe naturelle. Madame Gage viendra nous expliquer ce qu'elle fait avec cette fondation. Et puis, chacun d'entre nous, nous formons un tout. Et par les artistes, l'émotion peut véhiculer. Et je crois que c'est le cas ce soir, Bernard. Absolument. Alors, on va découvrir ces œuvres qui sont exposées un peu partout, même dans les sous-sols, au-dessus. Venez nous rejoindre. Sous vos applaudissements, Nicole Gage, merci. Je crois, Gabriel, vous devriez lui confier votre micro qui a un meilleur son que le mien. Bonsoir à tous. Vous ne le voyez sûrement pas, mais vous êtes ce soir très nombreux sur un site exceptionnel, je dirais même de rêve. Et c'est avec beaucoup d'émotion que de ce fait, entouré de beaucoup de mes amis...
encore, merci Karim. Je voulais vous remercier parce que, cher Bernard, nous avons déjà vendu une œuvre ce soir. Donc merci et bravo au très bon et très merveilleux bienfaiteur qui vient d'acheter une œuvre. Et pourvu que ça continue, Bernard. Mais ça ne fait que commencer surtout. Hein. La soirée est bien, ils commencent à bien déguster tous les bons vins qu'on propose. Ils vont acheter de plus en plus, j'en suis sûr. Voilà, pour le moment, je crois qu'après les violines, on va recevoir Pascale B. Elle nous arrive direct du Québec. Vous savez que ce soir, il y a de très nombreuses surprises, de très beaux artistes qui viennent se produire devant vous très gentiment. Elle est ravissante, elle arrive du Québec. Et là, elle nous propose un premier extrait d'un album qui s'appelle Dreamcatcher. Et ça s'appelle Saturday, puisque ce soir, c'est Saturday. Merci encore à vous, en vous rappelant que les tickets sont en vente, ainsi que les CD à 10 euros syriens pour gagner l'un des nombreux lots. Vous allez voir défiler derrière sur les écrans, on les verra de mieux en mieux. Merci, cher commissaire. Pascal B, qu'on accueille comme il se doit. Avec un peu plus d'entrain, alors. Domaine que je connais bien, j'aime aller d'ailleurs. Il y a un vin magnifique et très réussi, bravo. Et c'est un Bordelais qui te le dit, tu vois. Alors, les billets sont toujours en vente. Qui c'est qui tire? Une main innocente, c'est pas moi. Hein. Main innocente, vous oubliez. Si, c'est toi. Alors, hein, comme innocence, non, c'est pas moi. Il veut pas parler. Allez, tiens. Attention au premier lot de la soirée, je rappelle qu'il y en a 7. Le 14. Ah, tu as une voix. Tu parles. Le 14. Qui est le 14 et qui gagne ce magnifique Jéroboam? Berto, c'est Mathusalem? Et pourquoi tu ne l'as pas dit avant? Mathusalem, c'est marqué. D'accord. Le numéro 14, Mathusalem donc. 6 litres, 8 bouteilles. Si tu me fais dire des bêtises, ça va mal se passer. C'est une cuvée prestige. Le mec, il... D'accord, on va retirer alors. Personne n'a le 14. Une fois. 14, deux fois. 14. C'est peut-être toi. Trois fois. C'est lui. Allez, on tire un autre ticket alors. Ah, il y en a d'autres encore qui arrivent. Non, là, il y a des billes, là, j'ai vu. C'est pas trop lourd? Ça va. J'aime la façon que tu as de t'exprimer en public. Tu as remarqué. La main innocente.
Enfin, il reconnaît que t'es plus innocent que lui. Un verre avec le premier chiffre qui est un 4, le deuxième qui est un 7, et le troisième qui est un 3, ça fait 473. Alors, 473, qui viennent vite, c'est lourd, dit-il. Je le trahis un peu. C'est 8 bouteilles hein, qu'il porte dans les bras comme ça. Mais t'es costaud, non? 473. 400, ah, ça y est. Voilà, notre premier gagnant de la soirée. Venez, monsieur, vous avez la chance. Merci à vous, monsieur, en tout cas, d'avoir acheté les tickets. Merci, mon cher Karim, pour ce Mathusalem 8 litres, cuvée Prestige. Alors, est-ce qu'on tire un...